Zami fanatique TV la kay haiti.com yo, encore une fois nous content rejoindre nous et pour nous porter deuxième vidéo journée en pour et bien dans vidéo ça on pral saisir ouais qui quantité nouveau matériel nouveau uniforme que la police a même yo gagné kounia mais uniforme ça là qui vraiment belle selon Jean n'a regardé là sous image yo et son uniforme si ou ta ouais on bandi gagné. Eh bien, et c'est là nous parlons en dans PNH la vraie, il y a un nèg qui n'a concombre avec bandi. À moins que quelques policiers t'a tombé et puis bandi t'a pris uniforme ça pour aller faire l'autre. Mais tellement uniforme belle, yo unique, n'a demandé est-ce que eh bien uniforme ça yo bandi pour aller gain chance pour yo et donc t'a jeune uniforme ça pour aller faire uniforme pa yo pour qu'a venir proposer la police yo pour venir théoriser population. Et bien, dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs, nous allons entendre la déclaration France LB, qui est DGPNH là, et bien, qui sorti dans le silence après tornade là, t'as fait la pluie et le beau temps, dans fief, chef gang, vite l'homme, et bien, qui prend en pile patasuel, en pile calotte marassa, non mais la police, dans opération ça, et vite l'homme qui lui-même gain problème, et monsieur, t'as en pile pression comme quoi. Mais pour France LB pas attaquer, mais France LB pas prendre pression, pas prendre intimidation, monsieur décide, faut qu'il entre pifon, non fief, vite l'homme pour finir avec question ça. Question vite l'homme qui a créé des ordres dans le pays, qui a tout le monde, qui a kidnappé le monde, qui a volé le caille monde, qui a volé la machine monde, qui a tout le monde passé par là, et bien, et la police là, qui décide, fois ça. Ben c'est pour finir avec un dossier insécurité à notre pays. Mais il y a mon cap dit tout pour qui ça n'est pas jamais mené opération dans Matissan et dans village de Dieu disons et puis dans quoi des bouquets et dans fief et il a pris une grande affine pour qui ça c'est vite l'homme vite l'homme vite l'homme. Est-ce que c'est parce que vite l'homme dénonce France LB avec Ariel Henry et puis André Michel, est-ce que c'est raison ça qui fait nèg plus qu'un bé vite l'homme là? Une façon pour vous faire monsieur faire silence et ces questions en pile mon a posé donc c'est pas nous mais c'est fanatique TV la caillou qui souvent a posé question ça et ben nous pour inviter vous comprendre raison et là vous quitter commentaire en bas vidéo ça pour dire nous qui soit pensé pour encourager nous tout c'est abonner avec canal là surtout quitter un commentaire avec un like et les comme ça vous encourager nous kembe ou informer chercher information par-ci par-là pour nous voter pour vous sur TV la caillou haiti.com. bonne écoute tout le monde n'a tout. Côté que nous allons parler du bilan partiel du 1er janvier 2023 à date. Et nous allons parler toutes les recommandations pour que ce soit la tête et ensemble d'arrestations que les CPJ et les NN pendant la période là. Parallèlement, nous avons inclus groupe avancé qui fait dans le cadre d'opérations. Et il y en a un qui est financé par le commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Au niveau de l'inspection générale, recommandation faite à la direction générale là pour sanctionner policiers motifs. Nous songez, le 30 octobre 2022, à l'ébattantoire. Côté que nous avons perdu un jeune journaliste. C'est pour une raison plus simple. Pendant qu'il était venu dans le travail. Déjà, donc pour les correspondances qu'a rejoint l'entité de pression, à savoir CML, AMI, ANMH et HLH, côté que informé le programme CR et une deuxième correspondance qui va joindre après. Sanctions appliquées et n'a dit que, comme la chaîne a déjà prouvé, c'est pour ce qu'on a essentiellement été pour adjoindre l'entité de PSAO et l'autre qui est en opération de PSAO. Au niveau habitation de terre, nous connaissons ici dans sa cour du 12 octobre 2022, côté que l'inspection a fait une recommandation pour sanctionner 7 policiers. Et pour le séparément, qui est passé de 12. Novembre 2022, l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 5 policiers. Brigade de protection des mineurs qui sont cités au niveau des CPJ
procédé à l'arrestation de Johnny François, 37 ans, agression sexuelle sur mineur, sur deux mineurs, une 11 ans et une 15 ans. Polinaire Dieudonné, 32 ans, pour viol suivi de grossesse, sur mineur de 14 ans. DCPJ a recherché pour viol sur mineur, Jonathan Jules, qui est même violé au mineur de 15 ans. Direction centrale de la police judiciaire a recherché encore pour viol suivi de grossesse, Joseph Loutu, qui continue à violer Joe et John, pour viol son mineur de 16 ans seulement. Toujours au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il s'est déjà arrêté pour implication présumée dans le mois dernier, Roussam Telemac, qui était passé malheureusement le 13 mars 2022, Romain Selby, qui est arrêté dans le cadre de César, et Romain Aristide, qui est arrêté pour implication présumée dans le mois policier. Ils sont présumés, ça a été passé le bon jour le 17 novembre 2022. Mais c'est deux qui ont arrêté dans le cadre de César. C'est Romain Aristide et Jean-Kennedy Alexandre. Kervins Jean-Simon. Wilkins, lui, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait malheureusement sous sénateur Yvon Brisquet. Et on a le bon plaisir, c'est deux à la Cour 12, ça a dépassé le 6 août 2022. Des CDG transférés. N'importe quoi. Francky Shaw, pour implication présumée dans la mort, commissaire, dictionnaire, directeur Académie nationale de police, Hamilton Rico, ça a été passé le 25 novembre 2022. Il décédé du tout arrêté le 7 et le 9 décembre 2022, ce passé-là. Emmanuel Louis et Mélatieu Faustin, pour implication présumée dans la mort, assassinat. Président Jovenel Moïse, également pour tentative d'assassinat sous première dame républicaine, Martine Moïse. DCBJ transféré. Dati Sébastien Ignace, qui continue de Babas. Patrick Dublan. Sheila Pierre, pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière, arrêté pour implication présumée dans un assassinat et tentative d'assassinat. Enlèvement et séquestration, contrevention, trafic d'armes et munitions, vol à main armée, Guindou Nelson Gentil, qui a arrêté pour implication et n'a sacré loué avec gang Rasé Barrière. Guindou Jean-Carlo Jambi, Bernardo Born, Magenson Minos, Jameson Lui, viol à main armée, pour vol à main armée, trafic de munitions. DCPJ pour arrêter Marjorie Bousse le 17 janvier 2023 dans la place d'Anne pour l'implication du gain pour et tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacmel transféré dans la direction centrale de la police judiciaire, William Douillon, Edison Samedi pour implication d'eau et dans vol véhicule, vol année armée. Côté que plusieurs citoyens victimes de l'eau et Angelo Jean-Baptiste pour vol en armée et l'idée pour voir tout, il associe tout avec le groupe Genève. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que toutes yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait d'abord à freiner activité dans l'eau et qui visait tout à arrêter tout gagnant et conduire devant la justice. Qu'il y ait déjà plusieurs opérations qui viennent dans la zone nord, dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone Raquette, dans le Canaran et pour ton appel, PNH a décrété une permanence pour mettre les gens en colère. Sans démentir ça, notamment Vidéologue qui est en tête de Gonzac. Gagner plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, gagner un rôle qui est détruit par la PNH,
Et au niveau torsel, il y a 3 interpellations qui faites dans le carrefour Chabla. En date du 1er février, la police a arrêté Noël sans nous pour implication, bon, pour détention de gaz à l'arme. Et au niveau d'Escaroulas, parce que nous avons dit que l'opération n'a pas simplement dans une zone de pénalité, mais progressivement et selon moyens matériels disponibles, dans notre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis des mois qu'il y a plusieurs foyers de gang un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, également dans les provinces. Au niveau de la Scarabas, il y a 4 présumés bandits qui blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tir avec la police, et il y a un fusil d'assaut du calibre 44 qui est confisqué, et un pistolet du calibre. Et 9 mètres qui s'existent. Au niveau Gounaïf, toujours dans le cadre de l'opération qui était lancée Tornade 1, gagnait la police qui mène l'opération au début de 120 kg de marijuana qui s'existent, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches et la police confisquée dont bascule de couleur jaune et blanc, c'est TM11943. C'est certain que question de calme jeune qui l'est opération carrément dans des zones qui ont une réputation en zone dangereuse. Et là, on dit que c'est une préoccupation au niveau du gouvernement. Et tous les jours, presque, il y a un lien policier qui fait partie de l'équipe justement pour à déloger, à éclater les zones dangereuses qui a opéré pour le moment au niveau zone torselle. Et un peu partout qui avoisine les zones A. Et au fur et à mesure, l'opération a étendu sous l'autre foyer de gang. Nabdi, en total, pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kg de marijuana qui 24 armes saisies. Plusieurs munitions confisquées. Une dizaine de véhicules confisqués. 38 754 dollars américains saisis. 10 485 000 dollars saisis. 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tir avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 secondes qui sont transférés au parquet pour enlever les administrations. Et pour les voir cette circulation, gagné 20 minutes. Qui malheureusement a perdu la vie lors de cette circulation, qui est un blessé. En total, il y a 369 arrestations qui fait, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale d'armes, vol à l'armée armée, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. C'est pas un avis sur le point, les grands-pères pouvaient les policiers accompagner. C'est pas les policiers qui voulaient avoir sur les sécurités rapprochées, mais. Si la présentation de nous, et il y a 3 points là, c'est au niveau équipement des RVD. Et les RVD sont tout impliqués dans plusieurs opérations. Alors, si la population est capable de voir l'uniforme, l'équipement sérieux, pas besoin de vidéo, c'est la police, c'est vos équipements des RVD qui sont mis à pied là. Vous pouvez compter vol début. Nous avons demandé des caméras et s'il vous plaît, comment on va faire ça? C'est ce que c'est 3 mannequins en cas de campé, nous faisons pas, au moins c'est Yon. Okay. Tous les trois ensemble. Nous avons tous les trois ensemble, nous avons tous les trois ensemble. Section départementale de l'Antibourg-Lan. Et vu la situation qui était gagnée, qui était passée, côté que nous voulions pour nous déperdre 6 jeunes garçons. Qui étaient en fait disposition qui au niveau gouvernement, côté que vous était un nouveau directeur départemental, qui c'est le commissaire des honneurs et pour son chef. C'est lui-même, pour le moins, qui est le leadership de zone là. Et c'est certain, il est à fond état des lieux, il a fait une évaluation de situation hein, et probablement pour qu'il commence à avancer. Et au fur et à mesure, tu as gagné des avancées. La mété au courant et au prochain rencontre avec la presse, la bonne mesure nous dit qu'il y a avancement
qui gagne pour une fonction départementale anti-corruption. Mais à savoir, pour le CIE, et pour le moment, vous avez des informations qui vont pas arriver pour le moment. Et vous pensez que dans quatre collaborations que vous avez en presse et la police, ma tête est venue voir pour que vous formiez la presse à travers les médias, notamment à travers la justice. Bonsoir, votre parole, monsieur Jean-Christophe, vous faites un travail pour la police de 2000. En parlant là, vous reconnaissez que c'est un vice-renseignement dans la police de l'équipe opérationnelle. Si oui, est-ce qu'il peut dire que nous gagnons en comme ça? Alors, vous connaissez que le parle de budget, des questions techniques. Et il faut d'arriver ces mains avec des gens de nous qui sont dans l'instructure de l'eau. Et parce que nous ne sommes pas en train de faire des administratives, parce que nous n'avons pas de débat de même. Mais vous pensez que c'est une question qui vient de l'intérêt pour cette population. On est ensemble, les entités au niveau de la police, et pour que nous sommes capables d'informer. Mais on croit que quelqu'un est un nouveau responsable au niveau du service d'enseignement et est capable de. Nouveau responsable, ça, il est capable justement, si il y a des petits manquements, et à savoir des détails. Ou bien de comment le service a coulé, on pense que là, justement, pour être capable de permettre que le service là est avancé et pour être plus dynamique. Plusieurs volets dans cette question. 1000 jours, il y a 400 métropolitains, on pense qu'il y a toujours à couper. Est-ce que ton avis, c'est une opération progressive, type à privé sur eux? Et ensuite, nous, est-ce qu'il y a une coordination entre l'autorité canadienne avec l'opération Tonyan là? Qui est ce dispositif là pour cela prendre pour toujours être solide par rapport avec le programme Milena en pile policier à postuler là? Et à savoir que Bandiyo qui a quitté des zones, c'est qu'à la zone, ou après qu'on prend une position tout à l'heure, et tout, et c'est une manière de visite là. Vivez pour que dans les zones, il faut aller dedans. Et on va comprendre que les bonnes interventions qu'il fait et Jean qui l'a traqué et sont dans celle-là et c'est certain que l'autre problème tout il y avait profité pour empêcher justement la population d'acquérir pour moi l'activité. Parce que dans la même mission de l'Isabelle, c'est pour empêcher la population d'acquérir pour moi l'activité. Également, l'objectif de tout, c'est pour capable. Chaque jour, il y a plus de victimes et de bombes. Et ça fait que toute la population, dans le cas de ça, les bons amis, nos partenaires, c'est nous-mêmes, la police, qui l'a pour vous protéger. Vous voyez bien, vous pas d'intérêt pour vous pour que vous tolérez nos zones. Parce que quand vous êtes protégé, c'est dans notre humanité, de manière pour que nous-mêmes, avec la population, pour que nous sommes capables de débarrasser la population. Ensemble, vous êtes ça, et que vous êtes l'arrestation. Mais pour une question qui est deuxième là, c'est quoi? Deuxième, coopération qui est en tournade avec l'autorité canadienne. Yo. Ensuite, policier cap quitter le pays dans le cadre d'opération Biden. Comment est-ce la police? Bon, et c'est pratiquement une question d'actualité. Et côté que ce n'est pas au niveau de l'institution ça seulement, mais en pire institution, justement, ça a vu côté que vous perdez des cadres, vous perdez des jeunes. Le monde justement qui est là comme espoir indien, comme humain indien, mais qui est à la recherche de nos bien-être. Et au niveau des PNH, probablement ça va arriver à l'auto, mais on ne part pas en mesure d'avoir que des combien pour le CIE même qui est capable de faire et qui est en train de marcher. Mais c'est normal pour tout le monde, les droits et tout comme le CIE avec le document et que l'État lui-même est bail. Quel dispositif la police a pris pour renforcer le bon, et alors, et suite à la situation, hein, alors toute question que nous devons nous, il faut qu'on ait d'abord, c'est avec considération, et réflexion et évaluation au gouvernement. C'est certain que si ça touche la société, et pas trop longtemps, ça a été justement à parler en frappe au niveau du gouvernement, c'est certain que le fait que ça arrive, et si ça arrive, si nous avons des policiers qui veulent aller par rapport à l'enquête, c'est certain qu'il va y avoir des conséquences effectives pour l'Israël. Bien que nous gagnions toujours le mouvement qui est toujours lancé, pour que nous soyons capables de permettre que d'autres chaînes, l'autre sous-groupe de la PNH, pour nous capables de faire la PNH plus et travail, et de s'accueillir avec le travail. Et nous pensons que sur l'élection,
qui au niveau du commandement et dès que nous produit, nous produisons la porte de ça, la première fois que nous disons. Pas de questions? Merci. Oui, oui, oui. Et parole. Effectivement, nous témoins d'un bandit qui était réforme pour les sacrifices à un grand secteur visionnaire. Mais il était gagné en tennis en pire. Et on croit qu'il y a permis du temps, population, on croit qu'il y a suffisamment de réflexes pour le dire. Mais c'est certain que pas qu'à demander ça seulement. Si ça arrivait, gagner des mesures appropriées qui pourront au niveau du commandement, et je vous dis tout à l'heure, c'est dans le cadre de ça que vous présentez et une forme et une prochainement des meilleurs au secteur, des fois, les caractères de la population à connaître. Alors, comme responsable, vous êtes obligé de faire ça. Mais pour le moment, pas qu'à vous qui disposition qu'il a pris pour le moment. Mais c'est certain que si ça répète et nous voyons, c'est certain que ça a la portée en considération du groupe commandant que nous avons agi sur. Bonsoir Bébé, nous parlons de Arnold Junior Vier, Marc Tébaye Bourradji, Télé-Nagas. Merci d'avoir même sur les questions. Oui, c'est sûr. Nous avons un avion canadien qui a missionné à l'Israël. Donc, qui Jean y a avion ça et aider la police dans l'opération de la mer? Merci. Moi, je comprends les fois que c'est sur l'homme, c'est une très bonne question. Et tout le monde là, justement, qui sont à la mission de l'avion. Mais tout, on comprend tout au niveau de la police, c'est stratégique. Qui est des bagailles qui partent du vent, mais on a dit tout que dans le cadre des partenariats que nous avons avec les organisations internationales et tout le monde s'appelle le monde, et généralement nous travaillons de ce côté. Mais stratégiquement, nous ne sommes pas capables d'élaborer pour nous exactement 1, 2, 3 ans. Mais c'est ça. Ça, on est au cas. Merci. Et là, on dit à les commandants qui nous mettent en confiance. Et tout l'autre deux étaient par sur le roi, les partis, c'est pour les VDA, mais parce que j'ai l'air d'accessionner la demande de l'OVM pour la voir. L'équipe de radio du gilet tactique, de casse tactique et yo a parlé de félicitations. C'est dans ce sens que nous avons formé la soirée de ensemble uniforme PNH là. Si vous ne pouvez pas demander une uniforme qui est pour changer, la fin même geste là. Mais je dis, hein, c'est nouveau équipement BLV. Et la côté du BLV, son entité qui est en dedans, direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Merci.